Mes amis, et oui, une nouvelle vidéo OM Info Mercato. Et oui, donc là, ça, ce qui paraît, c'est pas ce qui paraît, c'est certainement Longoria, Pablo Picasso, Longoria, et oui, l'artiste qui revient, et oui, en avant les artistes. Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui serait en discussion. Et oui, parce que je pense que Longoria, c'est un Catalan, il me semblait, que je ne dise pas de bêtises. Donc, bah, il connaît très bien Barcelone, tout ça, etc. Donc, il serait en discussion avec El Pistolero. El Pistolero, et oui, Luis Suarez. Luis Suarez, et oui, l'ancien attaquant du FC Barcelone. L'homme qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, avec Neymar et Messi. Et oui, il a 35 ans, c'est vrai. Mais bon, il recherche un challenge parce qu'il a la Coupe du Monde à jouer. Il a envie de jouer, de représenter son pays, l'Uruguay, pour la Coupe du Monde au Qatar qui va se jouer cet hiver, c'est bien ça. Et oui, parce que tout change maintenant. Avant, les Coupes du Monde, c'était l'été, et maintenant, ça change. Donc voilà, on doit s'adapter, tout le monde doit s'adapter, nous aussi. Donc voilà, dans ce dossier, alors ce qui se passe, c'est que Pablo Longoria, oui, aimerait enrôler Luis Suarez, un peu comme Di Maria, comme l'a fait la Juventus avec Di Maria, avec un bail d'un an, et oui. Donc, ça serait intéressant. Bon, c'est vrai que le salaire de Suarez, et oui, El Pistolero, c'est quand même assez élevé comme salaire. Mais bon, pour un an, sans frais de transfert, sans indemnité de transfert, pourquoi pas? Ça serait vraiment très très bien pour l'Olympique de Marseille. Et puis bon, ça attirerait pas mal les caméras du monde entier, d'Amérique du Sud, bon, même si on est quand même pas mal. Côté en Amérique du Sud, surtout en Argentine, avec Lucho González, Gabi Enzo, qui sont passés par l'Olympique de Marseille, avec surtout Marcelo El Loco Bielsa, et oui, le fou, et oui, Bielsa le fou, et oui, et Jorge Sampaoli, et oui, Sampaoli, le regretté Sampaoli, je suis dégoûté, mais je ne vais pas bloquer sur ça, on doit avancer, tourner la page, et oui, donc El Pistolero, ça serait vraiment pas mal, hein, franchement, moi je m'en fous qu'il ait 35 ans, hein. Suarez, s'il en a encore sous le pied, il est capable de faire quelque chose, c'est un buteur, c'est un tueur, c'est un poison, et oui, c'est un renard des surfaces, c'est un assassin, pied gauche, de la tête, du genou, ah oui, Suarez, il tire dans n'importe quelle position, il fait peur aux défenses, et il tire sans chercher à comprendre, c'est vraiment ce qu'on aime. Hein. Et oui, Suarez, franchement, c'est vraiment bon, c'est vrai qu'il est sur la fin, mais pourquoi pas remplir un an, ça serait pas mal. Et puis ici, voilà, pourquoi pas un an de plus. Mais ça, c'est après. Déjà, essayons de négocier avec lui. Moi, je trouve que ça serait vraiment pas mal, quoi. Après, c'est vrai que le salaire de Suarez, si il fait, comment dire, un effort financier, tout ça, etc., eh bien, ça serait vraiment pas mal. Voilà, c'est la petite info du jour sur la chaîne Un seul Olympique. Et oui, les gars, il faut s'abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien entendu, il faut mettre le pouce bleu, il faut être positif, il faut prendre la journée et la soirée du bon côté, les amis. Et oui, c'est super sympa de votre part de suivre et oui, d'aimer, de liker. Et oui, de donner la force, et oui, c'est très très bien, ça fait vraiment plaisir, ça nous permet de continuer, d'analyser tous ensemble, voilà, et bien entendu, de partager, voilà, on est là pour ça. Allez, merci les amis, je vous embrasse, allez, ciao!